Chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver aujourd'hui dans la seconde moitié du XVIe siècle pour évoquer un personnage tout à fait éclatant, puisqu'il s'agit de Don Juan d'Autriche, Don Juan d'Austria, le vainqueur de Lépante en octobre 1571. Un personnage d'exception, le pape Pie V, qui était son contemporain, a dit de lui qu'il était valeureux comme Scipion, héroïque comme Pompée, fortuné comme Auguste, mais sans aucun de leurs défauts. Ce qui, évidemment, en dit long quant à la qualité reconnue alors au personnage, qui est l'une des grandes figures du siècle d'or espagnol. Une figure qui contraste avec celle de son demi-frère, le roi Philippe II, le souverain de l'Escorial, beaucoup plus politique, esprit extrêmement religieux, là où Don Juan d'Autriche se disait ami des armes et désireux d'honneur. Cela dit, ce personnage, cet homme de guerre qui eût pu être un opposant ou un dissident, c'était fréquent dans la haute noblesse à l'époque, a toujours manifesté un loyalisme sans faille vis-à-vis du roi Philippe II. Alors qui est ce Don Juan d'Autriche? À l'origine, c'est un enfant naturel de Charles Quint, un enfant naturel que lui a donné une jeune Allemande, Barbara Blomberg. Il est né à Ratisbonne le 24 février 1547. On lui a donné le nom de Geronimo au départ. Hein. 1547, c'est un petit peu l'apogée de la puissance impériale. C'est la date de la victoire de Mühlberg remportée par Charles Quint contre les protestants allemands de la Ligue de Smalkalde. Hein, victoire immortalisée par le célèbre portrait équestre du Titien. Alors ce jeune enfant, on va l'enlever très vite à sa mère, qu'il ne reverra d'ailleurs jamais. On l'envoie en Espagne discrètement, si ce n'est secrètement. Hein. Il va être confié à une tutrice, on peut dire ainsi, mais il va être élevé avec les jeunes paysans castillans. Puis on va le confier à Don Luis Méndez de Quirada, qui, avec son épouse, va lui donner une véritable éducation, va lui accorder aussi beaucoup d'affection que l'enfant puis le jeune homme rendra à ses parents adoptifs, si l'on peut dire. Et puis à l'automne 1558, on connaît le contenu du testament de Charles Quint et son existence est révélée et devient officielle. Hein. Il a 12 ans quand Philippe II, son demi-frère aîné de 20 ans, vient lui expliquer quelle est son origine, vient lui révéler le secret de sa naissance. Entre-temps, il a vu son père, sans savoir qu'il était devant son père, puisque Charles Quint, retiré, comme on le sait, dans l'ermitage de Yuste, au pied de la Sierra de Gredos, tout à fait au nord de l'Extrémadour, pour y terminer ses jours, a souhaité revoir cet enfant. Hein, c'est un moment célèbre dans l'histoire de Don Juan d'Autriche. C'est immortalisé par un tableau d'ailleurs que l'on peut voir à Yuste dans cet ermitage où Charles Quint a terminé ses jours. Désormais, Don Juan apparaît au grand jour, si l'on peut dire. Hein, il prend le nom de Don Juan d'Autriche, hein, ce jeune garçon. Il a le rang d'infant à la cour, mais il est écarté de la succession. À la cour, il va fréquenter ses deux neveux, c'est-à-dire d'une part le fils de Philippe II, Don Carlos, hein, dont on sait les démêlés qu'il connaîtra ensuite avec son père, hein, Don Carlos, qui est un peu faible d'esprit, doté d'un physique des plus ingrats. Et puis, outre Don Carlos, eh bien, il fréquente également Alexandre Farnèse, lui, c'est le fils de Marguerite de Parme, qui était aussi, elle, un enfant illégitime de Charles Quint. Alexandre Farnèse, qui sera
sera lui aussi un grand chef de guerre que nous retrouverons d'ailleurs aux Pays-Bas aux côtés de Don Juan d'Autriche. Et les trois personnages, Don Juan, Don Carlos et Alexandre Farnèse, eh bien ils vont aller faire des études à l'université de Alcalá de Henares, celle qu'a créée le fameux cardinal Jiménez, le fameux cardinal d'Espagne de Monterland. Hein. Et ces études effectuées à l'université d'Alcalá de Henares devaient déboucher normalement pour Don Juan sur l'accès à l'état ecclésiastique. On avait prévu de lui assurer une carrière dans ce domaine. Pas quelque chose qui l'enchantait absolument parce qu'il était davantage porté sur le métier des armes, mais le hasard va bien faire les choses puisque du fait des difficultés de relations entre l'empereur et Rome pendant un temps, eh bien le chapeau de cardinal qui était attendu pour le jeune homme n'arrive pas et finalement eh bien ce sera le métier des armes. Dès 1565, il a 18 ans, il veut absolument aller combattre à Malte. Hein, Malte va soutenir un siège terrible face à l'assaut ottoman en 1565. Don Juan veut gagner Barcelone pour embarquer sur la flotte qui amène des secours aux défenseurs de l'île, mais Philippe II s'y oppose et c'est évidemment une déception pour le jeune homme. Mais en 1568, on va quand même accéder à ses désirs, on va en faire un général del mar, c'est-à-dire un amiral qui, avec que Don Luis de Requesens, va organiser, commander une expédition entre Cadix et les Baléares pour aller traquer les galères barbaresques qui sillonnent la Méditerranée occidentale à l'époque. C'est un jeune homme fort bien fait, qui excelle dans tous les domaines, aussi bien à la cour que dans les arts de la guerre. Il est admiré par ses contemporains, il est le parrain de deux filles du roi Philippe II, son demi-frère. Quand Don Carlos se dresse contre son père, Don Juan soutient ce dernier, hein, ne se rallie pas du tout à cette tentative de sédition. Et puis il va commencer à connaître véritablement une première heure de gloire à l'occasion du soulèvement des Morisques de Grenade. De quoi s'agit-il? En 1492, on le sait, l'ensemble de l'Espagne a été reconquise. Très vite, les rois catholiques vont exiger de leurs sujets anciennement musulmans, ceux qui étaient restés sur place, qu'ils se convertissent au catholicisme. Cela ne va pas se faire immédiatement. On va revenir sur cette question en 1525 et 1526. À l'époque, Charles Quint va exiger lui aussi une conversion au catholicisme qui soit sincère et authentique. Et il va laisser 40 ans aux intéressés pour laisser le temps d'une évolution nécessaire dans ce sens, de telle sorte que justement les Morisques adoptent les mêmes coutumes vestimentaires que les chrétiens, abandonnent leur langue matinée d'arabe, l'al-kharabia, dont on a fait notre charabia. Hein. On fait un effort de prosélytisme également important dans leur direction, avec des catéchismes bilingues, etc. Il y a une volonté d'assimilation des populations en question à l'Espagne catholique, à l'Espagne chrétienne. Oui, mais cela n'a pas obtenu les résultats escomptés et il est clair que les 300 000 Morisques espagnols continuent à pratiquer plus ou moins clandestinement leur religion, demeurent fidèles à certains interdits concernant le porc ou l'alcool par exemple. Et de ce fait, il y a un climat de tension qui s'établit dans les régions où ces Morisques sont particulièrement présents. Alors, ils sont surtout présents dans la vallée de l'Ebre, dans le Levant valencien, et puis surtout dans l'ancien royaume de Grenade. Et là, en 1568, à la Noël de 1568, eh bien, des soldats espagnols sont tués, sont assassinés par des insurgés, et c'est le début d'une guerre qui va durer un peu
peu plus de 18 mois. C'est ce qu'on va appeler la deuxième guerre de Grenade, après celle qui s'était déroulée de 1480 à 1492, moins d'un siècle plus tôt. Et durant cette deuxième guerre de Grenade, on va avoir un affrontement extrêmement violent, extrêmement intense, avec ces rebelles qui ont pris le maquis en quelque sorte dans le massif des Alpuxarras, au sud de Grenade, également dans la région d'Almeria. Et tout cela est très ennuyeux pour les autorités espagnoles, parce que ça se replace dans le contexte d'un affrontement majeur avec l'Empire ottoman, hein, dans un affrontement majeur avec les barbaresques d'Afrique du Nord, et on craint même des tentatives de débarquement musulmans venant soutenir les insurgés. Il y aura même quelques contingents qui vont réussir effectivement à débarquer, à amener des armes et à entretenir ainsi ce conflit. Alors, les chefs qui avaient été chargés de réprimer l'insurrection ne manifestent pas une efficacité extraordinaire. Et alors, du coup, en mai 1569, Don Juan est envoyé à Grenade. Il s'impatiente rapidement des insuffisances de ses subordonnés. Il va prendre les choses en main. Il va vider la Médina, la ville musulmane de Grenade, de toute sa population, parce qu'il considère qu'il y a là des complices potentiels des insurgés. Et puis, il va méthodiquement reconquérir les points d'appui où ceux-ci s'étaient installés, hein, dans des nids d'aigles montagneux plus ou moins inexpugnables. Ce sont les combats de Galera, de Cérone, qui font qu'au bout du compte, eh bien, la région de Grenade est ainsi méthodiquement reconquise. Hein. Et le résultat, c'est que les morisques insurgés seront déportés vers l'Extrémadure, vers les plateaux castillans. Nous n'en sommes pas encore à l'expulsion générale des morisques qui interviendra à partir de 1609 sous le règne de Philippe III. Mais d'autres horizons de lutte se présentent. Chypre a été prise par les Ottomans en 1570 et face à la menace donc en Méditerranée orientale, eh bien le pape Pie V va susciter la création d'une Sainte Ligue dans laquelle se retrouvent Venise, l'Espagne, le pape bien sûr et quasiment la totalité des diverses principautés italiennes. Et cette Sainte Ligue va se doter d'une flotte dont le commandement est confié en mars 1571 au jeune Don Juan d'Autriche, donc qui va être le commandant de la flotte chrétienne appelée à affronter la flotte ottomane. Cette flotte de 300 navires va quitter Messine dans une atmosphère d'exaltation religieuse d'ailleurs très grande. Elle va faire voile vers le golfe de Patras, à l'ouest de la Grèce, et c'est là que va se livrer le 7 octobre 1571 la bataille de Lépante qui va tourner à l'avantage de la flotte chrétienne, hein, du fait de la capacité de commandement de Don Juan d'Autriche, du fait du savoir-faire des amiraux génois qui combattent avec lui, du fait également de l'engagement des galéas vénitiennes chargées d'artillerie qui vont apporter une puissance de feu décisive avant les abordages aux troupes catholiques. Alors, la victoire de Lépante est acquise. Don Juan voudrait exploiter. Il reçoit des émissaires venus d'Albanie, de Morée, pour lui suggérer de continuer la lutte et de soulever donc les Balkans. Mais Philippe II reste extrêmement prudent et Venise, comme à son habitude, une fois la victoire obtenue, s'empresse de renouer rapidement pour des raisons d'affaires, bien sûr, avec l'Empire ottoman. C'est fait dès 1573. Alors, Don Juan continue la lutte, reprend Tunis, qui avait été prise par Charles Quint, reprise par les Ottomans. Il s'en empare de nouveau en octobre 1573, mais les Espagnols ne peuvent se maintenir que quelques mois, car les Turcs envoient des renforts conséquents, et Philippe II ne fait pas le choix d'un effort important, suffisant, pour relever le défi qu'oppose alors le sultan. Alors Don Juan se retrouve en Italie,
jusqu'en 1576, avec un titre de vicaire général qui met sous son autorité les vice-rois de Naples et de Sicile. C'est un personnage de toute première importance, donc désormais pour le royaume d'Espagne. Et Philippe II va décider de l'envoyer aux Pays-Bas, hein, les Pays-Bas qui se sont révoltés contre l'autorité espagnole, hein, au nom bien sûr de la liberté religieuse, au nom de la réforme, au nom du calvinisme auquel ont adhéré les populations néerlandaises en bonne partie. Hein. Alors il a des idées derrière la tête en partant aux Pays-Bas, il rêve par exemple d'une expédition en direction de l'Écosse, il voudrait libérer Mary Stuart, il imagine un moment éventuellement se marier avec Élisabeth d'Angleterre et ramener ainsi l'Angleterre dans le giron catholique, c'est pas très réaliste, hein. Mais il va être surtout pris par les événements des Pays-Bas, il arrive sur place en mai 1576, après toute une chevauchée plus ou moins rocambolesque pour passer incognito, il arrive dans un pays où 15 des 17 provinces sont en état d'insurrection. Avant lui, Marguerite de Parme puis le duc d'Albe n'ont pas réussi à maintenir l'autorité espagnole. Alors il va faire preuve de diplomatie et va réussir à négocier en novembre 1576 la pacification de Gand. Il négocie avec Guillaume d'Orange, le chef du parti protestant. Alors ça, il reste certes gouverneur, il garde le titre de gouverneur, mais il accepte la réunion d'états généraux donc des Pays-Bas, le départ de la majeure partie des troupes espagnoles, la reconnaissance de la liberté du culte protestant. Et ce compromis n'est pas appliqué en fait par Guillaume d'Orange et par ses partisans, ce qui fait que Don Juan se retrouve sur la défensive, contraint de se replier sur Namur, qui est resté dans le camp catholique, au moment où Guillaume d'Orange va entrer triomphalement à Bruxelles. Tout va cependant changer, la situation va s'inverser en janvier 1578, parce que l'intervention d'Alexandre Farnèse, dont nous avons parlé tout à l'heure, va permettre à l'Espagne de reprendre l'initiative et de remporter à Gembloux une victoire décisive sur l'armée des états généraux protestants des Pays-Bas. Mais le jeune Don Juan est évidemment épuisé par tous ses efforts, il va tomber malade à l'été de 1578. Il va mourir le 1er octobre 1578 à l'âge de 31 ans, donc très jeune, dans le camp de Bouges, donc aux Pays-Bas. Et Philippe II va honorer ce qu'étaient ses espoirs ou ses demandes, puisque on va l'installer à l'Escorial. On peut aller y voir sa tombe, son gisant, non loin du Panthéon de los Reyes, où sont inhumés à l'Escorial les rois d'Espagne depuis Charles Quint. C'était l'une des figures les plus lumineuses du siècle d'or espagnol qui disparaissait ainsi prématurément. Il a laissé un souvenir important, hein, un souvenir d'une figure héroïque symbolisant, résumant cette époque de grandeur et de puissance pour l'Espagne, que fut la période des 16e et du 1er 17e siècle. Et son souvenir, on le retrouve également au début du 20e, quand le colonel Millanastray va décider de constituer la Légion étrangère espagnole, le Tercio. Il va donner aux différentes banderas du Tercio, à ces différents bataillons, des noms prestigieux, et on aura notamment la bandera d'An Juan de Austria, on aura la bandera Alejandro Farnese, la bandera Gonzalvo de Cordoba, autant de gloires militaires de l'Espagne qui se sont ainsi trouvées de nouveau honorées. Alors, Don Juan d'Autriche, c'était le héros de Lépante, le vainqueur de Lépante. On l'a remarqué, les Français ne sont pas présents à Lépante, sauf quelques rares exceptions individuelles. Hein. C'est une époque où la France, pour des raisons de géopolitique, flirte plus ou moins avec l'Empire ottoman, ce qui fait que pendant longtemps, la figure de Don Juan d'Autriche n'a pas beaucoup intéressé
en réalité les historiens français. Mais je signale cependant l'excellente biographie que lui a consacrée Jean-Pierre Bois il y a quelques années aux éditions Talendier, je crois. Quel destin, mort à 31 ans. Oui. Eh bien, merci Philippe de nous avoir fait découvrir ce personnage extraordinaire. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme assez extraordinaire. Ça n'est peut-être pas de la grande histoire, c'est à peine de la petite histoire, mais c'est intéressant. Il s'agit d'une Irlandaise née Margaret Kelly, il n'y a pas plus Irlandais, qui est née en 1910 à l'hôpital public de Dublin. Et elle commence mal sa vie parce que sa maman, qui s'appelle Margaret O'Brien, là aussi c'est très, très irlandais, et n'est pas mariée avec le père qui s'appelle James Kelly. Et ce bébé va être laissé plus ou moins tout seul dans cet hôpital jusqu'à ce qu'un brave curé irlandais le confie à une vieille fille. Alors c'est une famille qui s'appelle les Murphy et ils sont tous célibataires. Il y a trois vieilles filles et un vieux garçon. Et c'est l'aînée des vieilles filles qui va adopter, enfin sans les papiers bien sûr, mais qui va prendre ce petit bébé et l'élever. Alors, vous connaissez l'histoire de l'Irlande. Philippe Conrad a raconté les Pâques sanglantes de 1916. C'est épouvantable à Dublin. Et la maman de substitution, Madame Murphy, va décider d'emmener la petite Margaret à Liverpool, où il y a une très forte communauté irlandaise. Et c'est quasiment la misère. Alors Anne Murphy, eh bien, elle est couturière, mais quand elle ne trouve pas de travail, eh bien, elle fait des ménages, elle se débrouille. Hein. Elle vit avec trois fois rien. Qu'est-ce qu'elle mange ? Des pommes de terre et des œufs. Et la petite fille ne se développe pas. Elle a des jambes extrêmement maigres et elle est presque rachitique. Et un médecin, le bon docteur O'Connors, on est toujours chez les Irlandais, dit il faudrait qu'elle fasse de la danse, ça lui donnerait une chance de ne pas être peut-être même handicapée. On se demandait même si elle allait marcher. Eh bien, elle va faire de la danse, parce que Anne Murphy va se saigner aux quatre veines, comme on dit, pour lui offrir ses cours de danse, qui n'étaient pas très chers, mais pour elle, c'était énorme. Et là, la petite Margaret va s'épanouir, elle va pousser, elle va devenir une très jolie petite fille avec des jambes interminables et elle est très bonne en danse. Elle va même un jour gagner le concours de la beauté du West Derwin. Elle se retrouve dans le journal, mais elle ne peut pas aller en finale à Londres parce que c'est trop cher et le journal lui donne royalement une demi-couronne, ce qui fait que ses copines vont se moquer d'elle en disant oh, « toi, tu vaux une demi-couronne », ce qui était déjà pas si mal à l'époque. À 14 ans, elle est toute poussée en graines, elle est très belle et elle danse très bien. Donc elle va être remarquée par un groupe un petit peu folklorique, on dirait un petit peu ringard aujourd'hui, les Hot Jocks. Et elle va partir en tournée avec eux. Donc 14 ans, mais elle se prend déjà un petit peu au sérieux. Anne Murphy lui a cousu un col en faux astrakhan sur son manteau et elle se sent très, très dame, très adulte. Et ils vont faire une tournée, c'est très bon enfant, c'est gentil, dans toute l'Angleterre, dans toute l'Écosse. Et elle a encore, elle est tellement bonne et meilleure que les autres qu'elle va être repérée par Alfred Jackson, qui va l'engager dans les Alfred Jackson Girls. Et là, c'est beaucoup plus sérieux, c'est un peu plus sexy et un peu plus adulte quand même. Et en particulier, la troupe va partir à Berlin. Alors, Madame Jackson est une robuste matrone allemande qui fait régner une discipline de fer. Alors, les filles, c'est pire que si elles étaient dans un couvent traditionnaliste. Hein. Elles ne sortent qu'ensemble, en rang, les yeux baissés. Évidemment, impossible de recevoir un garçon dans l'hôtel où elle réside.
c'est vraiment une ambiance quasiment totalitaire. Et Margaret, qui n'en fait qu'à sa tête, va même faire le mur, elle va descendre par la gouttière, passer la nuit dehors avec un jeune homme qui lui avait tapé dans l'œil, en tout bien tout honneur, parce qu'elle a 15-16 ans à l'époque, mais elle revient au petit matin, et là, ses amis ont attaché des draps du deuxième étage de l'hôtel pour qu'elle puisse remonter à la force des bras. Heureusement, elle est athlétique. Enfin, elle va détester Berlin, et un jour, la troupe va à Paris, et là, Margaret se dit, mais c'est là que je veux vivre, c'est là la ville lumière. Berlin, c'est ennuyeux, l'Angleterre, c'est un petit peu triste, Paris, c'est la ville lumière. Et elle va être engagée aux Folies Bergères. Et les Folies Bergères, bien sûr, à l'époque, c'est royal. Alors, c'est du nu, enfin, des seins nus depuis 1907, hein, à la suite de Mata Hari, 1905. Beaucoup de plumes, beaucoup de paillettes, et surtout, c'est le haut du panier pour les girls. Et elle est excellente, tellement excellente qu'elle va énerver la meneuse de revue qui n'est autre que Miss Tinguette. Et Miss Tinguette va exiger son renvoi. Qu'à cela ne tienne, Margaret, qui entre-temps se fait appeler Bluebell. Bluebell, c'est Jacinthe, en fait, Jacinthe sauvage. Et c'était le médecin qui lui avait dit « elle a des yeux couleur de Jacinthe sauvage ». Et Margaret va recruter sa propre troupe, et ce seront les Bluebells Girls qui vont devenir célébrissimes parce que ce sont les meilleures. Alors comme elle est très grande, elle exige que les filles aient plus d'1m75 pieds nus, et ce qui à l'époque est beaucoup, qu'elles soient évidemment très minces, très bien faites, et qu'elles aient une rigueur, qu'elles sachent danser, et elle va être une fabuleuse entraîneuse de troupes de girls. Et ça existe encore, les Bluebells. Aujourd'hui, c'est le Lido et plus les Folies Bergères. En 1939, comme elle est tombée amoureuse du pianiste, qui est un Roumain, enfin, français d'origine roumain et juif, Marseille Leibovici, eh bien, elle se marie, elle a un bébé, et ça, c'est la guerre. Et elle va être la femme qui va inspirer le film que vous avez sûrement vu, qui s'appelle Le Dernier Métro. Elle va, ils vont partir en 40 avec le bébé sur les routes de l'Exode, mais ça ne va pas durer longtemps, elle est obligée de renvoyer ses girls. Et elle revient à Paris, elle remonte un spectacle, mais le 1er décembre 1940, elle se fait arrêter par les Allemands. Ce n'est pas le mari juif qui est arrêté, c'est elle. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a un passeport anglais et qu'elle ne s'est pas dénoncée. Donc elle va être arrêtée, passer 24 heures sans boire, sans manger, gare de l'Est, dans un train bondé. Elle va être mise dans un camp d'internement à Besançon, où elle va donner du fil à retordre aux Allemands. Et finalement, elle dit « Mais attendez, mais moi je suis irlandaise, j'ai un passeport anglais, ça se trouve comme ça, parce que l'Irlande est un pays neuf, hein, 1921, mais je suis tout à fait irlandaise, on est neutre, on est même un petit peu pour vous. » Et ils sont obligés de la relâcher. Après, c'est le mari qui, lui, va être poursuivi comme juif, parce qu'il a refusé de porter l'étoile jaune, donc elle va le cacher. Elle va le cacher pendant toute la guerre, et c'est l'histoire du dernier métro, hein, de Truffaut. Et il va s'en sortir in extremis, parce que en fait, l'immeuble où elle le cache, la concierge semble toute gentille, c'est une vieille dame aux cheveux blancs, charmante, et Margaret, toutes les semaines, lui apporte 600 francs. Et à la fin de la guerre, ils sauront que, hélas, cette brave concierge donnait tous les juifs qu'elle connaissait et tous les voisins résistants, parce qu'à chaque fois, elle touchait 500 francs. Mais elle s'était dit, 600 francs toutes les semaines, il vaut mieux que je le garde, ce juif-là. Elle va évidemment avoir quelques soucis à la libération, la concierge. Après la guerre, eh bien, c'est une carrière internationale, c'est Las Vegas. Elle va survivre de justesse à un terrible incendie de l'hôtel MGM à Las Vegas. Mais il en faut plus pour abattre Margaret, Miss Bluebell, qui a fait vraiment rayonner sa troupe. À 74 ans, elle est encore de temps en temps sur scène et elle lève encore la jambe. Elle va terminer couverte d'honneur, dont la Légion d'honneur, dont des tas de décorations anglaises et irlandaises, bien sûr. C'est une femme extraordinaire qui a eu 4 enfants, qui a mené sa vie d'un bout à l'autre avec une intelligence et une
classe incroyable. Même les Allemands n'ont pas osé persécuter cette incroyable femme qui, enceinte, avec ses beaux yeux bleus, leur disait « Moi, je suis irlandaise et vous, les Allemands, je n'ai rien à voir avec vous ». Ils l'ont relâché. Alors, bravo, Miss Bluebells. Et puis, si ce personnage vous intéresse, il y a un livre qui s'appelle Miss Bluebells. C'est écrit par un de ses fils. Et c'est aux éditions Atelier Folfer, collection Go West. Et vous trouverez plein de photos de cette période-là. Des photos assez rares. Et c'est un moyen de découvrir le monde du show business. Moi, je dis bravo, Miss Bluebells, la petite Irlandaise. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yann Le Boeck pour un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « Spartacus, chef de guerre » aux éditions Talendier. Yann Le Boeck, que je présente rapidement, qui est un spécialiste d'histoire romaine, qui a été professeur à la Sorbonne Paris IV, qui a commencé sa carrière avec une thèse consacrée à la 3e Légion Auguste d'Afrique. Hein. Il y a deux fils conducteurs dans son intérêt pour Rome. Il a réalisé par ailleurs une histoire romaine générale, mais il y a l'Afrique et il y a l'armée. Hein, au point de départ, déjà, tous ces éléments-là s'y trouvaient. Il a publié ultérieurement aussi sur Picard une grande synthèse sur l'Afrique romaine, mais il a surtout publié sur des questions d'histoire militaire romaine. Hein, il nous a donné une biographie de César, des ouvrages consacrés à l'armée du Haut Empire, à l'armée du Bas Empire, et puis également un ouvrage faisant le point sur la question d'Alésia, également aux éditions Talendier. Il a publié une belle synthèse aussi, un grand album consacré à la Gaule celtique, à la Gaule lyonnaise. Hein. Avant d'être à la Sorbonne, il avait été professeur à Lyon 3. Et Yann Le Boeck nous donne donc aujourd'hui un Spartacus chef de guerre. C'est un sujet, je dirais, vendeur, entre guillemets, puisque Spartacus, bah, c'est un peu une espèce de figure mythique du révolté, prenant la tête d'une révolte d'esclaves, lui-même gladiateur. Tout cela a inspiré Hollywood, on le sait. Kirk Douglas a incarné le personnage dans les années 50. Et puis aussi, Spartacus, il a inspiré dans l'histoire politique du XXe siècle un certain nombre de mouvements. On a vu en lui une sorte d'ancêtre du communisme, hein, et on a vu en Allemagne se constituer à la gauche de la social-démocratie un Spartacus-Bund qui va s'illustrer pendant les tentatives de révolution allemande de 1918-1919 sans succès, puisque l'Allemagne... – Avec Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. – Et Rosa Luxembourg, sans succès, puisque l'Allemagne ne connaîtra pas une révolution comparable à ce qu'a été au final la révolution bolchevique et les 70 ans d'Union soviétique pour la Russie. Hein. – Mais il y a eu aussi en Russie une équipe de football qui s'appelle s'appelait ou qui s'appelle encore d'ailleurs le Spartak de Moscou. Oui, le Spartak de Moscou. Oui, et on en a trouvé par la suite dans d'autres pays. Oui, puis on avait dans les pays de l'Est pendant longtemps de grandes manifestations sportives ou de gymnastique qu'on appelait Spartakiade. Voilà. Donc Spartacus a derrière lui une descendance ou une postérité idéologique, mythique, tout à fait considérable. Mais nous allons revenir sur le personnage historique de Spartacus, en dehors de toutes les mythologies qui se sont mises en place ultérieurement, de tout l'imaginaire qui a accompagné ce personnage. Alors, Yann Le Boeck, ce Spartacus, qui était-il et comment le connaissons-nous tout d'abord? Et qui était-il? Pour le connaître, il faut le débarrasser de tous ses oripeaux idéologiques.
Vous avez évoqué les marxistes qui se sont posés la question existentielle de savoir si Spartacus était pré-marxiste, proto-marxiste, paramarxiste, marxiste à 100% ou pas du tout marxiste. Dans un ouvrage italien qui vient de paraître récemment, il y a une petite note, parce que là maintenant ça ne se met plus au début de l'ouvrage, dans lequel l'auteur nous assure, qui est quelqu'un de très sérieux par ailleurs, que Spartacus n'était pas du tout marxiste. Voilà. Il ne faut pas interpréter d'une manière marxiste ce phénomène qu'a été sa révolte. Il n'y a pas que les marxistes. Il y a aussi évidemment Hollywood, comme vous le disiez à l'instant, le cinéma. Il y a eu une série télévisée intitulée Spartacus, où alors là, c'est un personnage tout à fait différent. Il y a aussi les historiens que j'appelle libéraux, par commodité, les non-marxistes, qui ont voulu voir, qui ont vu un autre Spartacus, non pas un révolté contre l'ordre social oppresseur, mais quelqu'un qui cherchait à établir la liberté partout. Alors, comment le connaître? Quand on fait de l'histoire ancienne, on cherche l'archéologie, l'épigraphie, les papyrus, on n'y trouve rien. On ne trouve aucune mention de Spartacus dans ses sources habituelles. Il n'y a que des textes littéraires. Le plus important, c'est la biographie de Crassus, qui était le général qui a vaincu Spartacus, écrite par Plutarque, qui, comme chacun sait, est un grand écrivain, non seulement de la littérature grecque, mais même de la littérature française, puisqu'il y a eu une traduction d'Amyot au XVIe siècle, qui est un chef-d'œuvre. – Et qui a eu une très grande influence, d'ailleurs, sur les mentalités et les comportements à l'époque de la France moderne, parce que Plutarque a fourni des modèles jusqu'aux hommes de la Révolution française. – Absolument. – Alors, donc, Spartacus, on le connaît à travers, Plutarque, je crois que vous m'aviez dit aussi à travers Florus. – Alors, il y a, oui, un autre écrivain, un historien latin, lui qui écrivait, lui, en langue latine, qui a vécu, écrit au début du IIe siècle de notre ère, qui est peu connu, et qui lui aussi a consacré quelques pages à Spartacus. – Et que nous disent-ils alors ?– Alors que nous disent-ils? Eh bien, ils nous présentent, bon, quand on additionne tous les textes, il y en a trois ou quatre autres qui sont, donnent des renseignements, quand on additionne tous ces textes, en fait, on a en gros une quarantaine de lignes sur Spartacus. – Ah oui, c'est un peu léger. – Pas beaucoup, évidemment. Hein, pas l'abondance de sources. – nos chers collègues contemporanéistes ont à leur disposition. Donc, ce qu'il faut en réalité, c'est prendre chaque mot et le commenter. Et là, et puis l'éclairer par ce que les autres historiens au XXe siècle ont écrit sur le personnage, voire au début du XXIe. Alors nous découvrons un personnage qui est finalement très différent de l'image mythologique, mythique, appelez-la comme vous voulez, de ce personnage qui est décrit par des auteurs passionnés. Moi j'ai essayé de dépassionner le débat et d'interroger les textes. Alors, nous voyons d'abord que le personnage a dû naître vers 93 avant Jésus-Christ, et qu'il, ça c'est une probabilité, il n'a pas été soldat, comme le dit Florus, ni brigand, comme le dit toujours le même Florus, pour deux raisons très simples. La première, c'est que s'il avait été soldat rattrapé par l'armée romaine, il aurait été exécuté immédiatement. C'est un crime, il n'y aurait pas eu de procès, pas eu d'avocat, etc. Il ne se serait pas retrouvé gladiateur. Hein. Il ne se serait pas retrouvé gladiateur. Et brigand, c'est la même chose. C'était la même réglementation. Les soldats l'auraient arrêté. Alors, deux crimes, ça fait quand même beaucoup. Hein, passible de l'un et l'autre de la peine de mort, je n'imagine pas qu'on l'ait revendu ensuite, parce qu'on l'a revendu comme esclave, pas comme gladiateur. Il a été mis sur le marché, et c'est un propre à Rome, donc. Et pour expliquer ce qui s'est passé, je pense qu'il a été victime d'une razzia, tout simplement, comme ça se faisait dans l'Antiquité, ça s'est fait encore au IVe siècle, hein, les marchands d'esclaves. – est-ce qu'on sait l'endroit ?– L'endroit précis, non. Mais ce qui est sûr, c'est d'abord qu'il était Thrace. La Thrace correspond à l'actuelle Bulgarie approximativement. Et il y a un texte, justement, un texte très court en grec qui dit qu'il appartenait à une tribu nomade. Un peuple, plus exactement, je préfère peut-être le mot tribu pour l'Antiquité, ne me plaît pas trop. Un peuple nomade, et moi je pense que c'est des semi-nomades, ils surveillaient des bêtes l'été dans la montagne, et l'hiver, ils descendaient dans la plaine avec son troupeau. C'était un genre d'activité tout à fait normal. Il était physiquement très beau, très fort en tout cas,
Très beau, je l'imagine. Oui, sûrement. 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 Très fort, en tout cas, très fort. Très fort. Il a été enlevé, amené à Rome, mis sur le marché, et passe le maître d'une école de gladiature qui l'a regardé sous tous les angles. Il a sûrement regardé la dentition, etc. Et puis il s'est dit, mais celui-là, il ferait un bon gladiateur, oui. Je l'achète. Alors à ce moment-là, Spartacus a râlé, il n'était pas content, parce qu'il avait été injustement vendu comme esclave. « Je suis un homme libre », dit-il. Il y avait un tribunal à Rome, il a réussi à se présenter devant ce tribunal en disant, ce qui montre quand même que les Romains avaient une justice qui était quand même assez accessible, même aux esclaves, en disant « Je suis un homme libre, j'étais injustement vendu comme esclave, et je demande à ce qu'on reconnaisse ma liberté, qu'on me laisse partir, je veux rentrer chez moi ». Et le tribunal, là, a commis une injustice en disant « Non, non, nous te maintenons dans ton état, tu es un esclave ». Et donc à ce moment-là, il est parti à comme gladiateur. Il a été enfermé dans une école de gladiature. – Et l'espérance de vie comme gladiateur était… – Alors l'espérance de vie déjà à cette époque était de 45 ans à peu près, hein, pour un homme bien nourri et ayant une existence saine. J'ai fait des calculs, j'ai établi ça pour les légionnaires de l'armée romaine parce que j'avais suffisamment de données. Pour un gladiateur c'était plus court et des travaux récents ont montré que les gladiateurs, quand ils avaient passé les premiers combats, pouvaient revivre assez longtemps, mais que ceux qui mouraient le plus fréquemment, c'était les jeunes, qui n'avaient pas l'expérience du combat devant les spectateurs. J'allais dire dans l'amphithéâtre, mais à cette époque, il n'y avait pas encore d'amphithéâtre. Ah. Oui. C'était une invention ultérieure. Ah oui, nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà. L'amphithéâtre, c'est une invention ultérieure. Le premier amphithéâtre est de l'époque d'Auguste. Donc, 75 ans après. Vous imaginez ce qu'un amphithéâtre, en fait, c'est l'adjonction de deux théâtres, l'un contre l'autre, qui laisse une arène au centre, une arène ovale. Et donc, les combats avaient lieu. Où dans ce cas-là puisque Alors les combats avaient lieu n'importe où, sur une place publique. On pouvait construire des gradins en bois si c'est au besoin, mais le plus souvent c'est sur une place publique ou éventuellement d'ailleurs dans un théâtre, parce que le théâtre romain avait ce qu'on appelle un orchestre, c'est-à-dire un espace en demi-cercle au pied des gradins. Mais là, il fallait mettre une barrière quand même pour qu'il n'y ait pas de débordement. – Bien sûr. – Et alors, ces combats de gladiateurs, c'est une pratique, c'est un phénomène qui sont typiquement romains. On ne les connaît pas en Grèce. Quelle est l'origine de ce alors, phénomène de la gladiature ?– L'origine n'est pas romaine, en fait. C'est une origine italienne. Ouais. On ne sait pas exactement où c'est né. C'est né vers le Samnium, la Pulie. L'île, la Lucanie, par là dans les montagnes de l'Apennin méridional, centre-sud. Et c'était à l'origine un rite purement religieux et funéraire à la fois. Quand un grand homme, un homme riche, puissant, respecté, respectable, ce qui va ensemble, vous ne me direz pas le contraire, mourait, on l'enterrait, et puis pour lui donner une vie, une survie moins malheureuse que celle qu'imaginaient les anciens, on faisait des sacrifices sur sa tombe. Alors vous pouvez sacrifier sur la tombe de quelqu'un un poulet, un agneau, un bœuf, plus l'animal a de la valeur, plus le sacrifice a de la valeur. Et alors l'animal le plus beau, c'est l'homme. Et alors, c'était à l'origine un sacrifice humain, je dirais, classique, comme absolument, ce qu'on a connu chez les précolombiens, chez les Aztèques. Et ensuite, ça devient un combat. Alors ensuite, ça devient un spectacle. En plus du rite religieux, ça devient un spectacle. Et évidemment, aux époques ultérieures, notamment au 1er siècle après Jésus-Christ, donc un bon siècle après Spartacus, on a eu des femmes qui ont combattu dans l'arène. Et ça excité beaucoup les messieurs. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Quoique les combats de catcheuses aujourd'hui. Voilà. On a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples de ces combats féminins, parce qu'on n'en parle non, pas non, très, on en parle pas non, souvent non, quand on évoque la gladiature. Ça existait à un moment donné, et puis très vite le pouvoir impérial a jugé que c'était un spectacle indécent, et donc ça a été interdit. Ah, et alors.
pour en revenir au rapport spectacle-religion, contrairement à ce que pensent certains auteurs, je suis persuadé que les combats de gladiateurs ont conservé un aspect religieux jusqu'à la fin. – Jusqu'à la fin. – Parce que dans les amphithéâtres, justement, alors qu'ils ont été construits à l'époque d'Auguste, au 1er et 2e siècle, il y a toujours eu deux chapelles. Une pour Mars, qui était le dieu des armes, et une autre pour Diane, qui était la déesse des animaux. Et comme il y avait dans les amphithéâtres des chasses, ces deux divinités étaient présentes. Une déesse guerrière, farouche, Artemis, Diane aussi. Et à la fin du IIIe siècle, quand on sacrifiait des chrétiens, il est arrivé en Afrique qu'on leur fasse revêtir la tenue de prêtres païens. Ah oui. Pour conserver, montrer qu'il y a un caractère religieux. Ah, d'accord. On les tuait parce qu'ils ne respectaient pas l'empereur, c'était le motif officiel, mais en plus il y avait ce caractère religieux qui intervenait. – Et comment étaient répartis les rôles des gladiateurs entre le rétiaire, entre celui Alors, qui avait… – Alors à l'époque qui nous intéresse, il y avait très peu de types de gladiateurs. Il y avait celui qu'on appelait le Thrace, le Gaulois, essentiellement, et le Germain. Et des Germains. Il y avait des Germains qui servaient comme gladiateurs. – Une spécialisation ethnique, donc. – Une spécialisation ethnique, oui. Mais, donc, c'était des guerriers qui avaient un équipement à peu près équivalent, mais qui était très différent de l'équipement des soldats, des combattants. Et donc, généralement, faire combattre un Gaulois contre un Thrace, c'était assez sympathique, c'était de voir lequel était le plus adroit. Mais avec le temps, on a fini par faire des combats extrêmement déséquilibrés entre un guerrier qui était un gladiateur, qui était très lourdement équipé, et un autre qui était au contraire très légèrement équipé. Donc sont apparus à ce moment-là les rétières. Oui. Le rétière a très peu d'équipement, il a toujours son filet et un trident. Et trident. Mais donc là, c'était ce qui était amusant, de voir lequel serait le plus adroit. – Amusant est le mot. Alors revenons à Spartacus, il ne va pas rester gladiateur longtemps, qu'est-ce qui va se passer ?– Et quand il est arrivé à Capoue, qui était en Campanie, à 200 km de Rome, on l'a enfermé dans cette école, alors c'était l'école, ce qu'on appelle l'école de gladiateurs, ou une caserne de gladiateurs, ça irait mieux, c'est un endroit avec une très grosse porte dans laquelle on peut facilement entrer. Et en particulier, il y avait des dames qui y entraient assez facilement, parce que même de l'aristocratie, elles aimaient bien fréquenter ces messieurs, ça leur faisait des choses à raconter à leurs amis après. Mais pour en sortir, c'était beaucoup plus difficile. Donc il est enfermé là-dedans, et tout de suite, il rassemble les autres gladiateurs, et il leur dit, écoutez, moi je ne veux pas mourir, parce que ça me paraît injuste, j'ai pas envie de mourir pour faire plaisir aux Romains, et je vais m'évader. Est-ce que vous m'accompagnez? Qui veut m'accompagner? Alors, on sait qu'il y avait à peu près 200 gladiateurs, et 70 lui ont dit, on t'accompagne, nous on t'accompagne. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que les autres, donc un tiers l'accompagne, deux tiers décident, préfèrent rester, pour des raisons diverses d'ailleurs, ils ont eu peur de se sauver, ou après tout, ils se sont dit que la vie de gladiateur, ce n'était pas la pire, ils risquaient Ils avaient une petite chance de s'en sortir. Ils avaient une chance de s'en sortir, ça leur rapportait de l'argent, ça leur rapportait des femmes, ils mangeaient bien, ils étaient bien nourris. Mais est-ce qu'ils ont dénoncé ceux qui partaient? Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire, les 130 n'ont rien dit, personne ne l'a dit. Oui. C'était la grande surprise quand Spartacus s'est évadé. Il a essayé d'abord de prendre des armes, puisqu'ils avaient un armement qui était prêt pour les combats. Mais le magasin d'armes était soigneusement fermé, ils n'ont pas réussi à le percer. Alors ils se sont précipités à la cuisine, dans les cuisines, où ils ont trouvé des couteaux de boucher, des broches, et c'est avec ça qu'ils sont partis et qu'ils ont mené leur premier combat. Parce qu'à partir de ce moment-là, les 70 ont été pourchassés, d'abord par une sorte de milice locale qui a été étriée tout de suite. Ensuite, ce qui leur a déjà permis aux gladiateurs de trouver un armement un peu plus efficace. Ensuite, par de vrais soldats, et alors là, ça n'a pas cessé. Seulement, jusqu'à la fin, seulement les gladiateurs ont attiré à eux toute une masse d'esclaves. Tous les kilomètres, leur masse augmentait.
Les esclaves qui étaient nombreux dans cette région, qui étaient des régions de grands domaines. C'était des, une région de grand, c'est une région de grands domaines et de petits domaines aussi, une région riche parce qu'il y avait du blé. La Campanie, oui. c'est la Champagne, ah, hein, oui. C'est la terre à blé. Ora fecundissima Campaniae, disait voilà. Tacite. Il y avait du blé, il y avait aussi du vin. Il y avait aussi de l'huile, et puis il y avait aussi de l'artisanat. La Campanie produisait des objets en métal et de la céramique, qui était un produit très, très important oui, économiquement très à cette époque. – Donc on imagine Spartacus avec un charisme réel, et qui entraîne donc ses 70 du début, mais ça fait très vite boule de neige. – Ça fait tout à fait très vite boule nous de neige. – Il nous 3000 Alors en arrivant je crois qu'il n'a pas que la… Oui, mais beaucoup plus que 3000. – Oui, parce que ça il monte jusqu'à 100 000, charisme, je crois. – Plus de 100 000. – Plus de 100 000. – Plus de 100 000. Il n'y a pas que le charisme, il y a aussi une intelligence qui est une phénoménale. Et alors c'est une chose qui est absolument extraordinaire, parce que si les marchands d'esclaves lui avaient fichu la paix, il aurait fini ses jours comme pâtre, éleveur, en Thrace. Personne n'en aurait entendu parler. Là, on l'enferme injustement, il veut se sauver, et il se trouve, sans l'avoir voulu, à la tête d'une armée numériquement. – Il va entrer dans l'histoire de cette manière. Et armée, enfin, à une grande masse de peuple, de population qu'il faut transformer en armée. C'est là que et c'est là où on voit son génie. Oui, oui, bien sûr, mais c'est là qu'on voit son génie. – Car il est intelligent. – Il est certainement très intelligent. Ouais. – Alors comment réagissent et que va-t-il faire pour Romains, transformer cette masse en armée concrètement ?– Alors concrètement, il y a premièrement la recherche d'armement, même d'équipement. Donc il en fait voler, il en récupère chaque fois qu'il écrase des légionnaires, on ramasse les armes sur les morts pour équiper les vivants, les esclaves révoltés, et puis il en fait fabriquer, d'une part. Donc il y a l'équipement, et d'autre part il y a la tactique, parce que vaincre l'armée romaine, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Le légionnaire, c'est un vrai char d'assaut, c'est un blindé. Il a un casque, une cuirasse, un bouclier, des jambières, pour se défendre, un glaive et un javelot pour combattre. Donc, et en plus, les légionnaires sont des professionnels. Et il les combat collectivement. Et il y a un combat collectif. Ce ne sont pas des armes de gladiateurs, donc il faut, ça n'a rien à voir avec la gladiature. Donc il faut apprendre à se servir de nouvelles armes, à combattre de manière différente. Et il réussit à créer une véritable armée avec des unités, une infanterie lourde, une infanterie légère, une cavalerie. Avec des soldats de première ligne, une réserve, etc. Enfin, il fait une vraie armée qui est capable d'affronter les légionnaires, non seulement de les affronter, mais même de les écraser et de les vaincre en rase campagne au cours de nombreuses batailles. Oui, parce qu'il va remporter des victoires, se déplacer même à travers voilà. L'Italie. En un premier temps, il a parcouru toute la Campanie, la Lucanie, il est allé jusqu'au sud de l'Italie, dans une cité qu'on appelait Turioi en latin, qui était un port de mer. Et où sans doute il espérait trouver des bateaux pour partir, ou au moins un bateau pour partir, retourner en Thrace. Et ça ne s'est pas fait. Donc, cela dit, en parcourant la Campanie et l'Italie du Sud, il a ramassé des armes, il a ramassé des soldats, il les a préparés, il les a entraînés, il a pillé évidemment. Autre qualité militaire exceptionnelle, c'était un maître de la logistique. Or, quand on a une armée de 100 000 hommes, 110 000 hommes, il faut les nourrir, les équiper, etc. Il a réussi tout ça. Alors, réaction des Romains. Alors la réaction des Romains, elle est assez amusante pour nous évidemment, c'est qu'à chaque fois ils sous-estimaient les esclaves en disant d'abord ce sont des gens médiocres, oui. L'esclave c'est un sous-homme, pour dire les choses crûment, l'esclave est un sous-homme, donc on ne va quand même pas mobiliser le banc et l'arrière-banc, et puis à chaque fois ils se trompaient sur les effectifs des esclaves. Ils disaient, bon, ils sont 10 000, et alors, entre-temps, les esclaves étaient devenus 20 000. Ils sont 20 000, entre-temps, ils étaient devenus 40 000. Donc, à chaque fois, les Romains sont arrivés trop peu nombreux et trop sûrs d'eux-mêmes. Et à mon avis, c'est ce qui explique toutes les défaites qu'ils ont subies, jusqu'à l'arrivée de Crassus, qui a commencé le premier à se dire, finalement, on a eu tort de les sous-estimer. – De ne pas les prendre au sérieux. – De ne pas les prendre au sérieux, de ne pas prendre au sérieux Spartacus. Il faut changer de tactique. – C'est un phénomène un peu nouveau pour eux, les Romains, d'avoir affaire à une armée qui se développe comme ça
de manière organique, parce que d'habitude, quand ils partent à la guerre, ils ont une armée en face d'eux, et ils ont assez rapidement les renseignements qu'il faut pour évaluer ce qu'elles représentent comme force, et organiser leur propre tactique en fonction de tout ça. Tandis que là, c'était quelque chose de plus difficile à cerner, manifestement. – C'est un petit peu comme l'armée française de 40, qui restait sur ce qu'elle avait été en 1918. Les Romains avaient déjà combattu deux révoltes serviles en Sicile, au IIe siècle avant notre ère. Et ces deux révoltes serviles avaient été très différentes, parce que les esclaves de Sicile n'avaient pas été capables d'organiser une armée. Ils croyaient que prendre le pouvoir localement, crucifier un ou deux propriétaires d'esclaves, ça suffirait. Donc les Romains ont pensé que Spartacus et ses hommes seraient comme les esclaves siciliens et qu'ils réussiraient très rapidement à venir à bout. Une guerre de retard, quoi. Ils ont toujours eu une guerre de retard. Mais Crassus, lui, va rétablir la situation parce qu'il engage des forces suffisantes. Et en plus, c'est un bon général, même s'il a mal fini contre les Parthes quelques années plus tard. – Parce qu'il a toujours agi avec beaucoup de prudence, mais il a quand même subi quelques défaites devant Spartacus. Il y a 4 batailles contre les troupes de Crassus qui sont attestées à la fin, dont la dernière a entraîné la mort de Spartacus. Et sur ces 4 batailles, quand même, 3 fois au moins, Spartacus s'en a assez bien tiré. Plus l'épisode de Reggio de Calabre, qui est un site entre l'Italie et la Sicile, où Spartacus et ses hommes s'étaient installés avec l'espoir de passer en Sicile. Et ils n'ont pas pu, mais Crassus est arrivé, il les a enfermés derrière un système défensif très efficace que les Romains connaissaient bien. Et là, malgré tout, Spartacus a réussi à s'en évader. – À franchir, à sortir. – Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il a eu une autre idée que de rentrer chez lui en Thrace, de peut-être prendre le pouvoir, carrément ?– Eh bien, je ne pense pas, parce qu'en Italie, ça n'était pas possible. Les Romains n'auraient jamais toléré ce genre… Oui, on l'a écrit quelques fois dans le passé, mais les Romains n'auraient jamais toléré un état d'anciens esclaves près de chez eux. Ça, ce n'est pas possible. – Le communisme n'était pas encore installé. – C'était pas très installé chez les Romains. – Non, puis en plus, il n'est pas question de communisme ou de quoi que ce soit. – Bien sûr, chez Spartacus, on est tout à fait dans autre chose. Parce que, évidemment, la tentation aujourd'hui, au risque de l'anachronisme, c'est évidemment de récupérer Spartacus pour en faire un champion de la liberté, des droits de l'homme, de la sexualité. – C'est plus qu'une tentation, etc. – Travailleurs, travailleuses. – Voilà, en fait, tout ça, ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien, effectivement. Spartacus s'est battu, à mon avis, pour des valeurs, tout de même. Trois valeurs. La première, c'est la justice. Il estimait que lui-même avait été victime d'une injustice. La deuxième, c'est la liberté. On en avait fait un esclave, il trouvait que c'était une faute, une injustice, bien entendu. Donc il voulait sortir de cet esclavage, il voulait être reconnu comme l'égal de tous les autres hommes libres. Et troisième de ses valeurs, c'est justement l'égalité. Je suis un homme libre, je suis l'égal de tous les autres hommes libres. Donc c'est ce que l'on appellerait de nos jours des valeurs républicaines, dont on nous bassine les oreilles très régulièrement. Oui, et ces valeurs, en réalité, donc ce à quoi Spartacus pensait, c'est à son propre cas. Puis ensuite, au cas des gens qui l'ont accompagné. Donc il voulait effectivement que tous les esclaves révoltés qu'il suivait deviennent libres et soient reconnus comme les égaux des hommes libres, qui étaient libres auparavant. Et c'est tout. Et c'est avec le projet de rentrer chacun dans son pays. Ces troupes étaient constituées très largement de Gaulois, de Germains et de Thraces, d'autres Thraces. Les Thraces voulaient rentrer en Thrace, les Gaulois en Gaule et les Germains en Germanie. – Et est-ce qu'il y a eu un début de négociation? Est-ce qu'il a essayé d'expliquer ça à Crassus ou c'était pas possible ?– Il a essayé une fois de négocier avec Crassus. On ne négocie pas avec un esclave. –
Ah oui. Mm-hmm. Oui. Et alors, ça se termine comment? Alors, ça se termine comment? Mal, bien sûr. Ça se termine très mal pour Spartacus et pour les siens. D'abord dans la dernière bataille où Spartacus se jette au milieu des troupes de Crassus, d'abord pour proposer un duel à Crassus. Et Crassus dit non, il n'en est pas question, pas avec un esclave d'abord. Puis de toute façon, qu'un général fasse ça, c'est une faute. Mmh. Et là, c'est une faute de Spartacus. Oui. Elle n'aurait jamais dû s'avancer. C'est maladroit. Il y a eu cette dernière bataille. Il a été blessé ensuite. Il a reçu un javelot dans la cuisse et puis il a été tué. On n'a jamais retrouvé son corps. Les esclaves ont été vaincus complètement. Les légionnaires se sont livrés à un massacre, il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'esclaves ont été proprement égorgés. Ah, oui. Il y en a quelques centaines qui ont réussi à s'échapper, qui devaient être à l'arrière-garde ou dans les réserves, qui sont allés se cacher dans les montagnes et qui n'ont été délogés que quelques dizaines d'années après. Et puis il y en a 5 ou 6 000 qui sont partis vers le nord et qui sont tombés entre les bras de, si j'ose ainsi m'exprimer, de Pompée et de ses légions. Et ce sont eux qui ont eu l'honneur d'être crucifiés sur la voie appienne tout de suite après. Horrible histoire. Voilà donc comment se termine l'histoire de Spartacus. Alors je rappelle le titre de l'ouvrage de Yann Le Boeck, Spartacus, chef de guerre, qui vient d'être publié aux éditions Talendier. Et un nom qui fait toujours rêver. L'émission se termine, merci messieurs, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.